Hello, hello YouTube. Welcome back to my channel. Nadine Kishin 235, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, un épisode de Nadine Cuisine. Pour ce nouvel épisode, gars, je vais vous apprendre comment faire votre gâteau d'orange à la maison. Ok? Pour savoir comment je dois le faire, reste regarder la vidéo jusqu'à la fin. Today, guys, I'm gonna learn you why to make your own perfect cake, orange cake at home. So, if you need to know what ingredient I used to do that, we watch step by step. Keep watching the video. Bienvenue pour les nouveaux abonnés. Merci, merci. Très bonne année. Une fois de plus, moi, c'est la première fois d'arriver ici. Moi, c'est Nadine Cuisine 237. Aujourd'hui, je partage avec toi et mes abonnés ma nouvelle recette de cake à l'orange, de gâteau à l'orange ou cake à l'orange, orange cake à la maison. Simple, easy, to do. Ok, simple, tade. Let's jump in the rest. J'ai ici deux oranges. Vous avez besoin de deux oranges. Vous avez besoin de 200 g de beurre. Vous avez besoin de 100, de 1 tasse et demi de sucre. J'ai choisi de diviser, de prendre demi tasse de sucre roux et de prendre une tasse de sucre blanc. Donc si vous n'avez pas de sucre roux à la maison, ne vous inquiétez pas, prenez le sucre blanc. Si vous avez le sucre roux à la maison, vous n'avez pas le sucre blanc, ne vous inquiétez pas toujours, prenez l'un des deux ou les deux à la fois comme moi. Ok guys, vous avez besoin de 4 œufs. Si vous avez des gros œufs à la maison, prenez 3 gros œufs. Moi, je n'ai pas les gros œufs, c'est pour ça que je prends 4 œufs. Ne vous inquiétez pas de la coloration. Les couleurs, les coques des œufs dépendent selon les contenants. Vous avez ma farine, j'ai ici 2 tasses de farine, 2 tasses, 1 quart, à peine demi de farine. J'ai ici demi cuillère à café de sel et une cuillère à café de baking soda. Si vous êtes en Afrique et que vous n'avez pas de baking soda, prenez votre levure chimique, une cuillère à café ou un sachet de levure chimique. Mon gâteau, je préchauffe mon four d'abord. La première chose à faire, c'est préchauffer son four à 350 degrés ou 160 degrés Celsius. So, Après avoir préchauffé mon four, je prends mon moule ou mon pan. En anglophone, j'ai mon huile d'olive ici. Je vais spray. Si vous n'avez pas d'huile d'olive à la maison, ne vous inquiétez pas. Prenez du beurre et beurrez votre moule. Qu'est-ce que moi je fais? Je vais prendre de partout pour que mon gâteau ne colle pas. Et encore, prenez n'importe quel moule, hein, ça passe. Moi, j'ai pris mon cœur parce que j'avais le design. Donc, j'ai bien fait ça. Comme mon moule est designé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu saupoudrer. Mais si j'avais un moule normal, donc carré ou rectangle, pas de plis, je n'aurais pas fait ce que je n'aurais pas saupoudré parce que c'est que ça va sortir. Mais comme il y a mon moule est designé, je ne veux pas que ça colle parce qu'il y a trop de machin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais saupoudrer un peu de farine là pour empêcher, pour que les plis ne retiennent pas. Et that's it. Mon moule, qu'est-ce que je vais faire? Je mélange tous les ingrédients secs. Ça veut dire quoi? J'ai ma farine ici, j'ai mon baking soda ici. Ne confondez pas, il y a le baking soda, il y a le baking powder. Donc, ne confondez pas, j'ai dit le baking soda ou le bicarbonate de soude pour ceux qui sont en Afrique. Ici, j'ai mon sel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mixer parfaitement. Et j'ai déjà tamisé mon,
et à tamiser ma farine à l'avance pour que elle puisse s'incorporer à mon mélange sans laisser les boules. C'est très important de toujours équilibrer votre farine. Deux oranges que j'ai coupé en petits morceaux parce que je vais utiliser tout l'orange en entier. Vous pouvez choisir de râper votre orange pour avoir les gestes et presser le jus après. Mais moi, toute cette étape-là, je ne veux pas. J'ai fait ça en une fois. Donc, je prends mon geste et tout mon les pulpes, le jus de l'orange, tout ça à la fois. Je mets dans mon blender parce que vous savez que la peau est dure. Comme je vais les faire, c'est pour ça que je le passe au blender pour l'écraser. Et là, j'ai mes 4 œufs que je vais casser et blender tous les deux ensemble. Ok? Je blende tous les deux ensemble. Faites attention, j'ai mon morceau de qui est tombé là. Je vais retirer un peu ça. Je ferme et je blende. Là, voici mon jus, mon orange et mes œufs qui sont prêts. On va passer aux étapes à l'étape. Là, ici, j'ai mes 200 g de beurre que je vais mettre dans mon bol. Je vais ruiner pendant 2 à 3 minutes. Slowly. C'est mon sucre. D'abord le sucre brun, dans le sucre marron. Ensuite, le sucre blanc. Et je mélange le tout pour avoir une consistance. Je vais mélanger le tout pour avoir une consistance homogène. Là maintenant, je prends mon orange avec mes œufs et je vais rajouter au mélange. Les deux mélanges. Maintenant, je dois ajouter ma farine un peu au fur et à mesure. Maintenant, notre gâteau prêt. Si je veux faire, je vais t'embraser ça dans notre moule apprêté plutôt. Donc, je teste ma pâte là. Je tape un peu mon bâton pour faire les clés. Vous pouvez prendre aussi le douche, c'est d'équilibrer. Mais moi, je tape un peu comme ça. Et je vais enfourner pendant 50 à 1 heure de temps. Donc, à 350 degrés, comme je vous ai dit. On se voit après pour vous montrer le résultat final. 50 minutes plus tard, guys, voilà notre cake. Je vais laisser refroidir 10 minutes, 15 minutes plus tard et on va servir. Ok, partagez la vidéo, likez si vous avez aimé, partagez à vos frères et sœurs. On se retrouve à la vidéo prochaine pour une nouvelle recette avec Nadine Kitchen 237. Bye bye. Thank you.